Je dois prier mon Dieu aujourd'hui. Ah oui. Oh Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Créateur de toutes choses visibles et invisibles. Tu es assis là-haut sur ton trône et fais de la terre ton marchepied. Dieu de miséricorde, je suis là devant toi et je te remercie pour ta protection, pour ton amour, pour ta tendresse et la santé. Oh Seigneur, je te remercie en ce nouveau jour. Merci Seigneur, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
êtes-vous là? Oh non, mais qu'est-ce que je vois? Ah, les enfants de nos jours! Ce n'est pas ainsi que leurs parents se comportaient. Les hommes travaillaient dans les champs, et les femmes travaillaient aussi dur, et produisaient la nourriture qu'ils mangeaient. Ils n'ont pas passé leur temps à faire du n'importe quoi, dans les lieux publics. C'est honteux. Et cela, ce que ce monde sera. Oh, ce monde est en train de finir très mal. Ou alors c'est déjà la fin. Ça va mal finir. Cette viande est la meilleure. Pain de loup, bonjour monsieur. Bonjour mon garçon, mon fils. Je voudrais de la viande de 500 naira. Et la viande pour 500 naira. De la chair. Ah, bien sûr, tu sais que je mets toujours de la viande quand tu viens ici, hein. En fait, cette fois, je pensais que j'allais vous faire une offre spéciale. Vous êtes sérieux? Oh oui. Quelle offre allez-vous me faire? C'est tout un bœuf ou bien un petit mouton? Ah, est-ce que tu veux me liquider? Non, ce n'est pas mon intention. Je fais déjà beaucoup pour toi. Allô? Allô? Qui est-ce? Allô? Eh oh! Ah! Eh bien, ma nièce! Comment tu vas? Oui, bien, ouais. Quoi? Vas-y, Kembe, mets-moi! Ezikebe, mon fils, en prison à l'étranger. Non. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel crime a-t-il encore commis cette fois-ci? Hey! Oh non. Qu'en est-il de ses filles? Mes petits-enfants, est-ce qu'elles vont bien? Ok. Aïe, ça c'est mauvais. C'est très mauvais. Pourquoi moi? Est-ce parce qu'ils ne veulent plus que je voie, que je pose encore les yeux sur mon fils? Oh Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi as-tu choisi d'être injuste envers moi? Je t'adore en esprit et en vérité. Je crois fermement à ta souveraineté. Pourquoi moi? Mon fils, mon unique fils qui m'a promis de me rendre visite avec toute sa famille pendant cette fête de Noël, est maintenant en prison. Pourquoi est-ce que les mauvaises choses arrivent toujours aux bonnes personnes? Pourquoi moi? Mon fils en prison? Hey! Est-ce que je ne mérite pas de les voir? Les bonnes choses de la vie? Est-ce que je ne mérite pas de profiter de la joie d'être père? Non! Non! Ce sont de mauvaises questions! Non! Pourquoi moi?
Bonjour. S'il vous plaît, nous cherchons la maison de Papa Ndoulé. Pouvez-vous nous orienter? Allons-y. Où est-ce que vous allez? Ce n'est pas possible. Vraiment stupide. Alors, qu'est-ce qui est drôle? Rien du tout. Qui sont-ils? Ils sont vraiment très drôles. C'était quoi ça? Pourquoi les gens réagissent de cette façon? Oh mon Dieu, ça va être intéressant. Cette maison est vraiment difficile à trouver. Qui est-ce qui pourra vraiment nous orienter? Enfin, nous y sommes. Ah. Où est-elle? Ok. Tati Yebele. Uh-huh. Ne me dis pas que nous allons passer la nuit ici. J'ai fait une énorme erreur en te suivant ici. J'étais censée assister à l'enterrement de vie de jeune fille d'Indiana au Québec. Pas uniquement toi. J'étais censée aller Madame. Avec... Ok, merci beaucoup. J'étais censée aller avec Laurie pour un show à Vancouver. C'est ici que se trouvent vos racines. C'est ici que se trouvent vos racines. Oh, papy. Oh, tonton. Oh. Salut. Salut, grand-père. Ah, mes petites filles, bienvenue. Tonton. Ébellé. Oh! Papi! Papi! Ah. Waouh! Hein? Mes petites filles, elles ont tellement grandi! Ah oui? Ah, très intéressant! Elles sont tellement belles! On pourrait même dire qu'elles viennent d'une très bonne famille! Oh, ouais. Ouais, elles me ressemblent! Des pommettes hautes, des yeux brillants! Waouh! Soyez les bienvenus! Ah. Laquelle? Casier? C'est quoi? Ébellé! Laquelle est l'aînée? Moi. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Cassier beau. Parce que Dieu m'a réconforté en me donnant ton père. Mais toi, c'est la bonne chance, la bonne fortune. Oh. Allez, venez. Allez, allons à l'intérieur. N'oublions pas de prendre nos valises. Thank you.
ma chère nièce. Bienvenue à nouveau. Vraiment, merci, papa. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pas ouais. C'est une longue histoire. C'était vraiment très dur là-bas au Canada. Si je n'étais pas là, ces enfants se seraient tous égarés. Je peux imaginer. Quand la mère Naomi a quitté Eddie Kemé, prétendant une infidélité, après leur séparation, place à la dépression. Et après cela, il s'est mis à la drogue. Et il est arrêté. C'est en ce moment qu'il m'a fait venir. Alors, je suis allée le voir. Et il m'a demandé de prendre ses filles. Il voulait que je ramène ses filles au Nigeria. Mais que je devrais garder ses filles véritablement loin de leur mère. J'ai donc dû faire ce qu'il voulait. C'était dur pour moi de faire la navette entre Londres et le Canada. Ce n'était pas facile. En fait, cela a porté à mon mariage une très, très mauvaise passe. Je suis passée par une période difficile. Tu sais, mon mari pense que je donne plus d'attention à ma famille qu'à lui. Ah, j'en ai plus qu'assez. Ouais. C'est bon. Merci, merci. Tout ira bien. Oh, mon Dieu. Oh, Jésus. Doc. Serena. Est-ce que Tata et Bella essayent de nous dire qu'il n'y a pas d'autre endroit mieux que ça? Dans cette maison hantée? Oh mon Dieu. C'est quoi ça? Ça ressemble à un pagne. Je suis pressée de rentrer au Canada. Qu'est-ce que je fais ici? T'as remarqué quelque chose? Quoi? Il y a une forte ressemblance entre grand-père et papa. Je te demande pardon? Je te parle de cette maison hantée où je vais dormir? Et tu me parles d'une forte ressemblance? N'es-tu pas dérangé par la façon que tu vas dormir? N'es-tu pas dérangé par la façon que tu vas prendre ton bain? Crois-tu que nous pouvons tout faire ça? Et si? Il n'y a aucune chance que nous puissions avoir tout ça ici. Tu sais quoi? Je vais sortir. Moi aussi. Je veux me libérer la tête et je veux fumer. T'en veux? Oui, s'il te plaît. Tiens. On y va, on y va, on y va. S'il te plaît, allume-le pour moi. Putain. Oh mon Dieu. Non, cet endroit est pire que l'enfer. T'as vu la chambre? C'est tellement étouffant. Et ce n'est pas propice. Tout ici est sale. Oh putain. Et le climat est tellement chaud. Oui. Dis-moi, ça va pas nous faire du mal? Ça va pas nous brûler la peau? Bien sûr, Serena. Flora, je crois qu'on devrait aménager dans un hôtel. Lequel? Il doit y avoir un hôtel 5 étoiles par ici, j'imagine. Il doit y avoir. Même l'hôtel 1 étoile est mieux Diable, que non. cet endroit. Qui va... Non. Tu dis non? Donc tu vas dormir ici? Ok, reste là. Moi, je vais trouver un moyen de sortir d'ici. Non, rentrons au Canada. Aujourd'hui? Comment cela est-ce possible? Ouais, je... Pourquoi aussitôt? Comme je te l'ai dit plus tôt, mon mariage est dans une phase horrible et atroce. Tu sais, je ne voudrais pas que mon mariage se transforme en cauchemar.
Et d'ailleurs, mes enfants se posent des questions. Mmh. Ce n'est pas bon pour moi. Ouais. 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 C'est vrai. Oui, c'est une bonne décision. Ouais. Tu devrais rentrer et arranger ton mariage avec ton mari. Je sais. Un mariage parfait n'est pas l'union de deux personnes parfaites. C'est plutôt l'union d'un homme imparfait et d'une femme imparfaite. Les deux s'arrêtent les mains. Ils rigolent et s'amusent sur les différences entre eux. Oui, donc, c'est une bonne idée. Merci pour ta compréhension. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Oui, cela dit, que deviendront Kasia, Moby et Wele? Tonton, elles vont rester avec toi ici au village. Parce que je souhaiterais qu'elles apprennent beaucoup de choses. Ces filles avaient déjà des mauvaises tendances là-bas au Canada. Donc c'est mieux qu'elles restent ici, avec toi. Ouais. Ça me ferait plaisir de rester avec elles. Mais tu vois, j'ai des ressources limitées pour être capable de bien m'occuper d'elles. Mon affaire de viennoiserie n'est pas suffisante pour me soutenir moi-même, n'en parlons pas de deux adolescentes. Mais je crois que je ferai de mon mieux. Je vais essayer, après tout, ce sont mes petits-enfants. Elles peuvent rester, à moins qu'elles ne décident de rentrer. Toujours est-il, nous ferons de notre mieux. Bien. Eh bien, parlant de ça, ne t'en fais pas. Je vais m'en charger. Ce n'est pas un problème. Je vois. Oui. Alors, voici le passeport. S'il te plaît, garde-les très loin d'elles. Ne les laisse pas les voir. S'il te plaît. Oui. Je vais très bien les garder. D'accord, d'accord. Ouais. Et cet argent t'appartient. Oh. Eh bien, j'apprécie vraiment ça. Oh. Ok. Alors, tonton, as-tu un compte bancaire? Oui, j'en ai. J'ai un compte dans une microfinance en ville. J'espère qu'il n'est pas inactif, mais j'ai un compte. Eh bien, je vais prendre les informations avant de partir. Oui. Alors, s'il te plaît, tonton, je t'en supplie, prends bien soin de Serena et de Flora pour moi. Kasia, Moby et Wele. Oh, j'ai oublié. Ok. En attendant que leur père, Eddie Kemé, soit libéré. Eh bien, oui, nous l'espérons. D'accord. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ces filles. Elles fument encore. Elles sont en train de fumer. Elles ont une vie très désagréable. Elles mènent une vie de débauche là-bas au Canada. Ah oh. C'est pour ça que je voudrais que tu les prennes en charge. Bien. Ne t'en fais pas. Avec le temps, je vais leur couper les ailes. Ah oui. Je te fais confiance. Oh, merci, Ebele. Je veux dire que ton voyage soit bon et ton séjour agréable et que ton mariage retrouve son épanouissement. Merci. Amen. Merci, tonton. Merci. Papi, où est Tata Ebele? On l'a cherchée partout. Oui. Allez. Oh, tu fumes aussi? Il fume? Incroyable! C'est cool. C'est cool, papi. Oui. Oh. Il fume. Yeah.
tu fais ça? Je vous ignore, juste. À cause de votre comportement impitoyable. Impitoyable? Comment osez-vous venir ici, en train de fumer devant votre grand-père? C'est ça, le summum du manque de respect. Concernant Ibele, elle est partie. Partie? Elle est rentrée d'où elle est venue, à Londres. Ça ferait mieux d'être là. Ouais, c'est une blague. Tu ne peux pas nous laisser ici et partir. Jamais. Tata Ibele. Tata Ibele. Arrêtez de hurler. Tata Ibele. Nous partons de cette maison tout de suite. Tata Ibele. Je ne retrouve plus mon passeport. Je ne retrouve pas le billet retour. T'es pas sûre de l'avoir laissé dans le taxi? Qui ça? Toi! Serena, c'est toi qui gardes nos passeports. Moi? Oui, toi. Comment? T'es trop négligente, tu laisses la toi la négligente. C'était censé être dans ton sac, les passeports, les tickets, tout ça. Tu fais ça chaque fois que j'ai horreur de ça. N'est-ce pas ton sac? Il n'y a rien dedans. Oh non! Et qu'est-ce qui se passe? Cherche, vas-y, cherche-le. Attends une minute. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Quoi? Serena! Quoi? Tu es sûre que tante Ibele n'a pas tout planifié pour nous laisser ici? Je veux dire, nous sommes sûres d'avoir laissé nos passeports et nos billets dans nos sacs à main. Alors qu'est-ce qui a bien pu les arriver? Ou est-ce qu'ils ont subitement développé des ailes et se sont échappés de nos sacs? Tu vois? Oh non! T'as raison. Où est mon téléphone? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais appeler Tata Ibele sur le champ. Vas-y, appelle-la. Appelle-la. C'est le summum de la méchanceté. Comment a-t-elle pu faire ça? Son numéro ne correspond pas. Le banc? Celui-ci? Ah, okay. D'accord. Portons-le ensemble. Ok. Désolée. Désolée. Ici. D'accord. Ce n'est pas poussiéreux. Oh mon Dieu. J'ai tellement faim. Je peux dévorer tout un bœuf en ce moment. Pareil pour moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Hein? Oh, j'ai faim. La maison me manque. Je ne peux plus. Ah, les filles. Alors, comment vous allez ce soir? Papy, nous avons faim. Je vois. Eh bien, qu'aimeriez-vous manger? Eh bien, papy, j'aimerais avoir du riz frit avec une cuisse de poulet. Et j'aimerais aussi avoir des spaghettis chinois. Ou bien de la soupe aux champignons. Non, je n'aime pas trop ça. J'adore la soupe au potiron, oui, c'est mon préféré. Avec un verre de jus. Papy,
En ce qui me concerne, j'aimerais avoir les fruits de mer, des crevettes, des gambas. Oui, c'est très bon ça aussi. Si cela n'est pas disponible, je vais me débrouiller avec les nuits des légumes au citron vert et à la noix de coco. Et du sandwich au poisson croustillant. Et du jus de citron vert et du miel. Ouais. Oh, ah oui, papy, je veux aussi du café W. Ouais. Papy, c'est un café fait de deux mélanges et de deux morceaux de sucre. Je voudrais aussi une bonne bouteille de bière fraîche et un paquet de cigarettes. Ah oui. Plaît. Merci, papy. Merci, papy. Merci, papy, merci. Nous avons tellement faim. Nous aurons ça maintenant. Ouais. Merci. Ouais. Enfin. Oh, merci, papy. Oh, nous allons attendre. C'est la nourriture. C'était pas difficile après tout. Ouais, je sais. S'ils peuvent nous donner tout ça, nous profiterons bien de notre séjour. Ouais. Papy, dépêche-toi, s'il te plaît. J'aurais dû demander des macaronis avec du fromage. Oh. Ça prend trop de temps. Tu crois? Les filles! Ouais! Ouais! Papy, c'est pour moi, j'imagine! Non, pour toutes les deux. Oh. Vous devez vous rapprocher pour manger ensemble. Bonne idée. Voici ce que nous faisons à Maisy. Merci beaucoup, papy. Merci. Meilleur! Burk! Oh. Papy, dis-moi, qui peut manger cette chose horrible? Oh. Oh. Ça, c'est du haricot. Avec de la sauce de pistache. Oh. Et croyez-moi, ceci est bien plus nourrissant que ces choses que vous citiez. Double café ou quoi encore? Oh non, papy, je veux des spaghettis chinois. Pas ça! Des crevettes et des gambas. Eh bien, tout ça est contenu là-dedans. Non! Papy, je suis un mannequin et une styliste, alors je ne peux pas manger ça. Je dois encore porter mes vêtements. Ici, ce n'est pas Ottawa ou le Canada. Nous n'avons pas de mannequin ici. Nous n'avons pas de styliste. Il n'y a pas d'agence de mannequinat. Voici le village de votre père, à Mesia. Nous mangeons ce que nous avons. Alors ça... Je veux des gambas! Je veux des crevettes! Mais c'est dégueulasse tout ça. Tout ce dont vous avez besoin est là-dedans. Ici, ce n'est pas la rivière de Bobo où vous allez pêcher des crevettes. Ou... Ou quel que soit le fruit de mer auquel vous pensez. Voici tout ce que nous pouvons avoir dans le village d'Armésia. Alors, mangez du aqua avec de la sauce de pistache. C'est bon pour vous. Oh, au détriment de ma taille, jamais de la vie. Je ne vais pas manger cette merde, c'est dégoûtant. Je ne vais pas manger ça, ça pue. Oh, c'est dégoûtant. Eh bien, ma chère petite fille, tu vas rester affamée. C'est pas ça. Nous avons un dicton ici. Il y a une force qui fouette les enfants, c'est la douleur de leur père. Alors quand cette force te fouettera, tu sauras quoi faire. Papy, ce n'est pas juste. Papy. Nous avons faim. Non, j'ai faim. Qui ou matananenye vous dira quoi faire. Oh, grand-père, nous avons faim. Serena, je ne vais pas le supporter. Ni maintenant, ni jamais. Non, mais... bon. Mon nom, c'est Flora, pas Awele. Tépélé, s'il te plaît, viens et ramène-nous au Canada. Oui, s'il te plaît. Tu pourrais l'essayer. J'ai faim. Diable, tu pourrais l'aimer. Tu es l'aînée, alors essaye-le toi d'abord. Toi, essaye. C'est toi l'aînée, Serena. Essaye-le, et si je meurs? Et tu veux que je meure? Et tu veux que je meure? C'est bon. Oh. Mais ça ressemble à de la purée de pommes de terre.
Ouais, de la purée de pommes de terre. Oh, s'il te plaît. Fais attention, essaye. C'est quoi ça? Non. Essaye-le. Oh non, Serena, ne meurs pas! Ne meurs pas, ne me laisse pas ici! Salut. Vous êtes superbe. Ah, je sais. Je vous connais. Moi? N'êtes-vous pas le gars qui a snobé ma tante quand elle vous a posé une question? Je suis désolé. C'était peut-être à cause de mon humeur de ce jour. Non. Pas votre humeur. Peut-être parce que vous étiez à côté de cette paysanne en train de jouer à un amour sale et stupide en route. Merde! Comment faites-vous pour faire de la merde ici? Ah, peu importe. De toute façon, j'ai besoin d'une carte d'appel. Pouvez-vous savoir où je peux l'avoir? Ok, ne vous en faites pas. Je vais le faire pour vous. Ok, de combien avez-vous besoin? J'ai dit de pas vous en faire, vous voyez, dans ce village. Je suis un grand garçon. J'ai de l'argent. Je pourrais même vous donner une carte de recharge de 5000 Naira. Intéressant. Ouais. Ok, je dois aussi charger mon téléphone. Pouvez-vous m'aider avec cela? Ok, alors. Vous allez devoir me suivre. Je vais vous emmener dans un joli bar. Un bar? Oui, vous avez dit un bar? Oui. Venez, allons-y. Oh, doucement. Doucement avec mon corps. Ne me touchez pas. Désolé. Peut-être la prochaine fois, je serai très doux. Tant mieux. C'est pas ma meuf. Par là. Saluté. Oh. Serena. Oh. Oh mon Dieu. Serena! Serena! Salut. Salut. Avez-vous vu ma sœur Serena? C'est qui Serena? Ma sœur Serena! Oh! Vous êtes la fille de Pardulo. J'ai bien raison, c'est ça? Oui, tu as raison. Wow. Est-ce que tu as vu Serena? Non. Elle t'a dit où elle partait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle voulait charger son téléphone et acheter une carte de crédit. Eh bien, je crois que elle est une adulte, d'accord? Elle finira bien par rentrer à la maison. Ouais, je l'espère bien. Serena! Oh, ma chère, il fait chaud et vous transpirez. C'est sale. Je voulais juste... C'est une pochette. C'est sale. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Ok, mes parents, laissez-moi l'ouvrir pour vous. Je dois voir Serena. Voilà. Devrais-je le tenir pour vous? Non, je peux le faire moi-même. D'accord. Voilà, c'est fait. J'aurais aimé qu'il y ait une piscine où je pourrais y rentrer pour me relaxer. Y a-t-il une piscine quelque part? Une piscine? Ouais. Dans ce village? Ouais. Non, ce n'est pas possible, hein? Ici, c'est un village perdu. Oh. Tout ce que nous avons, ce sont des ruisseaux. Un ruisseau? Ouais. Ah. Et je peux vous dire que ça aura plus de sens. Vous savez, ça coule. Vraiment? Oui, donc vous pouvez plonger, vous voyez? Vraiment? Ouais. Oh mon Dieu, j'aimerais y aller. Quoi? Vous êtes sérieuse? Oui, amène-moi là-bas. Allons-y, hein? Merci. De ce côté. Laissez-moi. Merci, merci. Laissez-moi vous aider beaucoup à tenir ceci. J'espère que le soleil ne vous touche ne pas. Ne me touchez. Ah, ouais. Oh. Je vous en prie, ma chère. Merci. Hey, magnifique fille.
Cassier Moby. Cassier Moby. Eh, où elle est? Où sont ces filles? Cassier? Eh, où elle est? Ah. Cassier Moby. Eh, où elle est? En moins de 72 heures, elles veulent élever ma tension artérielle au plus haut niveau. Bien, elles reviendront me trouver ici aujourd'hui. Quel endroit connaissent-elles dans ce voisinage pour se pavaner partout? Les enfants de cette génération, ils sont violents et récalcitrants. Ok. Je ne veux pas que tu te fasses mal, ok? Pour aucune raison. Je ne veux pas d'ennuis avec Padoulé. Alors doucement, ok? Ah. Flora, vas-y doucement, je t'en prie. Vas-y doucement. Ah. Ah. Je suis trop fière. Tu apprécies? Oh mon Dieu. Une rivière. Voici donc ça. Une rivière. Ah. Ah. T'aimes, c'est arrête vrai? Pas ça. Ah. Ah. Attends, attends, j'arrive, ouais. Ok? J'arrive, attends-moi. Est-ce que c'est profond? C'est profond, j'ai nagé là quand j'étais gamin. T'aimes oui. ça? Oui, je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est très bien. Allez, tu voudras aller dedans? Vas-y. Ok. Flora, vas-y doucement. Je ne peux pas plonger avec le tennis, non, non, non. Laisse-moi t'aider à retirer ces chaussures. Ok, ok. Laisse-moi t'aider. Oh mon Dieu, ruisseau. T'aimes ça, pas vrai? Oui. Oui, très bientôt, il y aura un festival regarde. Ici. Regarde. Oh, mon. Regarde, l'eau coule. Ouais, c'est cool, ouais. Je nageais là-bas. Quand j'étais gamin, j'ai appris à nager un tas de gens, tu sais. Laisse-moi te montrer. Vas-y, vas-y, tout doucement, ok? Tout doucement. 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 Ok. Voilà. Tiens-toi là, tiens-toi là. Ouais, bien. Doucement. Ok. Doucement. Laisse-moi avancer, ok? Attends là, attends là. Et hop! Je t'ai eu. Non, je blague. Non. Allez, viens. 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 Je monte vas-y. Sur ton dos? Monte sur mon dos. Ok. Vas-y. Attends. Sur mon dos, oui. Ouais. Voilà. C'est bon, c'est bon. Tiens-toi debout. Tiens-toi. Mais c'est glacé. C'est bon. Non, non, ne va pas là-bas. C'est profond par là-bas. Tiens. Oh mon Dieu. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer. Laisse-moi te montrer. Vas-y, tiens. Regarde. Regarde. Regarde par là. Ah. Regarde. Tu vois, tu peux voir ce poisson. Regarde. Juste là. Ah, un poisson. Non. Un poisson. Viens, tu blagues. T'as pas vu ça? Laisse-moi. Laisse-moi te montrer. Si tu veux nager, je te donne quelques astuces. Je vais t'éclabousser de l'eau. Non, ne fais pas ça. Non. Ne t'en fais pas. C'est je vais pas te verser de l'eau, ok? Tu t'amuses, n'est-ce pas? Je l'aime. Je leur dis. Oh mon Dieu. T'es mal allé de ce côté? Non, ça a l'air profond. Je vais te porter. Non. Je vais te soutenir. Laisse-moi te montrer. T'es vraiment très belle. La pire phrase de drague de tous les temps. Bien sûr, je sais que je suis belle. Et c'est évident, je suis la beauté incarnée. Oh, oh, oh. Dieu merci, tu sais que t'es très belle. Alors, c'est quoi ton nom? Je m'appelle Serena. Et Pandoulé est ton grand-père? Bien sûr que tu sais qu'il est mon papy. Pourquoi est-ce que tu demandes? Désolé. Désolé. J'espère que tu apprécies ta bière. Ah oui, pas très mal. Est-ce que vous avez un truc comme ça? Ouais, nous avons des bars à bière.
Ça s'appelle des bars à bière. Comment on appelle cet endroit? Regarde là-bas. C'est quoi? C'est un bar à bière. Mais on l'appelle Eberobori. Et quoi? Eberobori. Je ne vais même pas essayer ça. Jamais. Eberobori, je voudrais que ça reste dans ta mémoire. Quoi? Boire. Oh. Mais tu peux toujours dire boire. C'est tellement drôle, mon Dieu. T'es un drôle garçon, tu sais. Amuse-toi. Vas-y, bois, bois. Ouh. Ah, mais, tu peux avoir tout ce dont tu veux. Mais où sont ces filles? Où est-ce qu'elles ont pu bien aller, je me demande. Viens là. Je dis viens par ici. D'où est-ce que tu sors? Je suis allée charger mon téléphone. Charger ton téléphone? Ou pour boire jusqu'à l'ivresse? C'est quoi cette irresponsabilité? C'est quoi cette vie? Je te demande pardon. Je suis une adulte. Tu pourrais être une adulte ou une vieille femme pour des égaux à Ottawa ou au Canada. Mais ici, tu restes une petite fille qui fait des crises de colère à son grand-père. Et les crises de colère, je ne les tolère pas. Mets-toi à genoux. Quoi? J'ai dit mets-toi à genoux. Non! Mets-toi à genoux. Ça fait mal. Quand je vivais encore dans la maison de mon père, dans les années 50, mon père me grondait, fouettait toujours, sans aucune pitié. Et si vous pensez que je ne peux pas faire la même chose à vous, vous mentez. D'où est-ce que tu viens? Où es-tu allé? J'étais à la piscine. Non, non, le ruisseau. Avec quelle autorisation? Avec l'autorisation de qui? Je te demande pardon. Ai-je besoin d'avoir la permission de quelqu'un avant de quitter ce donjon? C'est déjà assez mauvais que cet endroit soit un bidonville. Le mieux que tu puisses faire, c'est de nous laisser sortir hors d'ici pour qu'on puisse respirer. Écoute, et écoute très bien. Ici, ce n'est pas le Canada. Ici, c'est le village d'Amazie. Le village du père de votre père. Vous êtes ma responsabilité ici. Et vous devez traiter vos aînés avec respect, surtout votre grand-père. Vous ne devez pas quitter cette maison sans ma permission. Mets-toi à genoux. J'ai dit mets-toi à genoux, alors tu veux que je... Papi, ça fait mal. Ma manucure. Regarde ma manucure. C'est foutu maintenant. Grand-père, si c'était le Canada, j'allais te faire arrêter. Oui. Regarde. Allez chercher votre nourriture. Ça passe? Non. Oh, le numéro de Tata et Bella ne passe pas toujours. Oh, c'est vraiment la merde. Serena, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas. Je veux juste quitter de cet endroit. Je ne peux plus supporter une autre nuit dans ce maudit endroit. Moi aussi. Avec quoi? Pas d'argent, pas de passeport. Où irons-nous d'ici? Je ne sais pas. Je ne connais aucun autre endroit à part celui-ci. Oh non. Ce papy est trop strict. Ouais.
Et cet endroit n'est vraiment pas propice pour moi. Je veux partir, j'ai envie de m'en aller. Moi aussi. Oh. Mais qu'allons-nous faire? Pouvons-nous aller chez Anayo? C'est qui? Un gars que j'ai rencontré hier. Il m'a aidé à charger mon téléphone et il m'a mené dans un bar. Tu peux y croire? Ils ont un bar ici. Donc, je lui ai demandé s'il y avait un moyen pour nous de quitter cet endroit. Alors, il m'a promis qu'il a une solution pour toutes choses. Quoi? Tu souris. Tu l'aimes bien. Moi? Aimer un paysan sans sou qui ne peut même pas se permettre un faux Gucci? Oh, non. Je t'en prie. Arrête de te foutre de moi. Je sais que je te connais très bien. Eh bien, j'espère juste que tu ne vas pas te retrouver en train de te taper un paysan. Oh, pourquoi tu dis ça? Encore une fois? Oh. Écoute, autant que je peux m'envoyer en l'air désespérément, meuf, ce n'est pas pour tout le monde. Ok. S'il te plaît, pouvons-nous aller voir ton ami pour qu'il nous aide à s'échapper de ce taudis? Ok, mais es-tu sûre que papy n'est pas là? Oh, je ne sais pas. On y va. Si. Copine, comment tu vas? Hey! Je ne vais pas bien. Ah ah! Mais je te connais, tu vas toujours bien. Ogene? Donc ta mère ne t'a pas dit que je suis venue te chercher l'autre jour? Oh! Oh! Ah! Je suis désolée, Usoma. Elle me l'a dit, oh! J'ai oublié. Ça m'a échappé. Pourquoi ça ne devrait pas t'échapper? Dis-moi, quand tu es occupé à te pavaner dans tout le village, hein? En donnant une chance de plus à Nao de poursuivre tout ce qui porte une jupe. Quoi? Rio, j'ai vu ton petit ami avec l'une des petites filles de Papandoulou. Quoi? Il ne faisait pas que boire. Il fumait et s'embrassait. Je suis sûre qu'en ce moment même, ils couchent ensemble. Ce n'est pas possible. Usoma, ce n'est pas possible. C'est bien possible. Oh, Megumi. Ouvre cette porte! C'est quoi ces bêtises? Papy! Tu ne peux pas nous garder prisonnières dans ce maudit endroit! Ouvre cette porte! Désolée! Papy, ouvre cette porte! Je suis fatiguée! Comment nous faire? Je ne sais pas, Serena! Nous devons trouver notre chemin hors de ce maudit endroit! Nous devons quitter cet endroit! Il n'y a pas moyen! Il n'y a pas d'issue! Papy! Papy, s'il te plaît. Non.
Merk. Comment est-ce qu'une nourriture peut sentir aussi mauvais? Papy? C'est quoi ça? Le truc jaune. Papy? Le truc jaune. Qu'est-ce que c'est? Tu as faim? Je croyais que ce n'était que les gambas. Les crevettes. La purée de pommes ou le double café hollandais que vous aimiez. Peut-être que les vers dans vos ventres ont déjà formé une chorale et ils s'exercent jusqu'au moment où ils mourront de faim. Voici le hakpa, à la sauce de pistache, avec du tosa et de la viande de brousse. On a là la plus délicieuse et la plus exquise des nourritures du monde entier. Alors, viens manger. C'est de rire d'hier, mais... Si tu veux manger, rejoins ton papy. Goûte, tu vas aimer. Est-ce que c'est bon? Du hakpa. De la sauce de pistache, avec du tosa et de la viande de brousse. C'est la meilleure nourriture du monde. Rejoins-moi. Alors, comme tu insistes... Lave tes mains. Oh. Les deux mains. D'accord. Mes ongles. Ça sent pas bon. Ah bon. Flora. Ne mange pas ça. Burk. Mais tu manges. C'est Burk. Flora. C'est bon? Non, ce n'est pas bon. Mais alors pourquoi est-ce que tu manges ça? Burk. L'orgueil ne te remplira pas le ventre. Viens manger. Tu crois que c'est de la purée ou un truc de ce genre? Vous ne connaissez rien. Viens rejoindre ton grand-père et manger. Viens, prends une chaise. Ou un banc. Assieds-toi, rejoins-nous. Si tu insistes, ce n'est pas bon. Lave tes mains. Les deux mains. Serena. J'ai faim. Pas vraiment.
Vas-y, mange. Tu ne mourras pas. Quoi? Ces filles n'ont même pas pu débarrasser la table. Ah! Azo, azo, troubom. Est-ce que vous aviez une ménagère ou un gardien de maison au Canada? Bien sûr qu'on en avait. Mathilda était notre ménagère et Khalid, notre homme de garde. Tu n'as rien oublié, Sarah. Palala était le jardinier. Oh oui. Me manque tellement. Je vois. Et donc, au village d'Armenzi, vous voulez que moi, je sois votre homme de ménage, votre garde du corps, votre jardinier. Cela n'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, maintenant, prenez ces plats et toutes les marmites et assiettes qui sont sales dans cette maison. Et allez les laver soigneusement. Maintenant! Dark! Papi! Non! On ne peut pas faire ça! Tu veux qu'on s'abîme les ongles? Non, c'est trop cher. Jamais. Je n'ai jamais fait de vaisselle avant. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Et toi, Serena? Jamais de la vie, je le ferai. Appelle quelqu'un pour le faire. Hey. Oh. Alors, voici les futures épouses des gens. Hey. J'ai qu'aimé mon chat. Mon fils est dit que mais a donné des monstres hideux dans ce monde. Ah. Êtes-vous en train de me dire que vous n'allez pas laver les assiettes ou ne ferez aucune tâche ménagère, hein? À cause de vos ongles ou je ne sais quoi d'autre. Oui. Ah. Oui. Enfin, cela n'arrivera pas ici. Nous verrons. Serena, il est sérieux là? C'est une blague. On a besoin d'une ménagère ici, honnêtement. Ça, c'est une force au Canada. Tu abuses de notre droit humain fondamental. C'est bon. Rassurez-vous de couper tous ces ongles. Vraiment très bas. Ma maison n'est pas une boîte de nuit. Vous ne pouvez pas venir chez moi avec ces caractères pourris et vous en sortir comme du n'importe quoi. Non. Et sachez qu'ici, vous allez devenir responsable par la force ou par n'importe quel moyen. Je vais te faire arrêter, tu vas voir. Je vais te faire arrêter. J'ai très bien éduqué votre père. Tu as abusé de notre droit humain fondamental. J'espère que tu le sais. J'espère que... Je ne vous laisserai pas devenir
du n'importe quoi. Des vagabonds. J'ai très bien éduqué votre père. Mais qu'est-ce que j'ai eu en retour? De mauvaises nouvelles. Toi, non, je vais te faire arrêter. Je vais te faire arrêter. Et... Je vais t'en faire. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et toutes ces choses-là, coupez-les bien. Oui. Ça, c'est un crime. Et vous aurez des années. Vous. Oui, les filles. Assurez-vous de les laver très bien. Je veux dire, vraiment très bien. Et propre. Ici, ce n'est pas le Canada où vous aviez des machines à laver pour laver vos choses. Vous devez les laver soigneusement. Ici, vous devez utiliser vos mains. Frottez-les bien. Rassurez-vous qu'il n'y a aucune petite saleté dessus. Oui. Si vous ne les lavez pas bien propre, vous allez recommencer. Parce que vous devez les laver soigneusement. C'est comme retirer de l'amertume dans une feuille amère. Oui, alors... Ouais, vous n'avez plus d'ongles maintenant pour vous plaindre ou donner des excuses. Lavez-les soigneusement ou bien vous allez reprendre. Et j'ai ceci pour vous, papi. Si vous voulez que je l'utilise. Vous voulez... Non, grand-père. Non, bien, bien, vous n'avez plus d'excuses maintenant. Plus d'ongles, plus de... Ceci est pour votre futur, pour un meilleur futur pour vous. Aucun homme d'Amenzi ne voudrait épouser une femme qui ne fait pas les tâches ménagères très bien. Y compris faire la vaisselle et cuisiner. Donc, oui, vous vous préparez, ça c'est bien. Oui, reste le bien. Fais le bien, je veux dire. Si j'ai ça pour vous, hein, je vais l'utiliser. Alors, ne croyez pas que je vais tout laisser passer. Hein. Oui, c'est la bonne éducation que je vous donne pour votre futur, quand vous serez avec vos maris. Hé, lave bien ce plat, fais du n'importe quoi. Je te préviens que je te vois. Hein. Ou bien tu veux que j'utilise ce fouet? Bien. Bien, ça c'est déjà mieux. C'est pour votre bien. Vous venez d'une famille bien élevée. Oui, reste bien, reste bien. Attention. Ne verse pas ça sur moi. Papi. Berk. Tu crois que j'aime faire ça? Regarde. Hé, hey, attention, ne pas couper les tiges des plantes. Enlève les mauvaises herbes. Ne touche pas le manioc. Voilà. Oui, fais attention. Voilà, là c'est mieux. Papi, je suis fatiguée. Vous êtes fatiguée? Si vous êtes fatiguée, venez donc boire de l'eau. Et reposez-vous un moment. Et après cela, vous allez continuer, vous vous êtes arrêté. Continuer? Non, papy. Pourquoi est-ce que tu nous soumets à ce genre de travail, Manuel? Mes chères petites filles, c'est du travail, Manuel. Oui. Prenez-le comme si vous étiez en train de vous occuper de l'environnement. Mais vous êtes en train d'apprêter la nourriture que vous allez manger l'année prochaine en préservant cette récolte que vous avez plantée. Alors, si vous êtes fatigué, reposez-vous. Et puis, continuez. Fais bien attention à ces plantes. Distingue-les des mauvaises herbes. C'est mieux comme ça. Eh bien. Bien le bonjour chez vous, Pandoulé. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Bon après. Oui. Alors, mon fils. J'ai ramené l'ours en peluche de votre petite fille. Merci. Je vous en prie. Nana. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que tu es un garçon qui travaille très dur. Vraiment, merci. Mais, Nana. Reste loin de mes petites filles. Tu peux partir. Flora. Nana. Que t'arrive-t-il? S'il te plaît, viens. Attends, je vais voir. Flora. T'es quoi? S'il te plaît, accompagne-la à la clinique. Je vais te porter.
Prends plus sur mon dos. Vas-y. Flora. Aïe, aïe, aïe. D'accord. Papy, je ne ferai plus jamais ça. Souffrir tous les jours. Oh, quel sacré village. Non. Je suis fatiguée. Fais-moi descendre. Fais-moi descendre, allez, je vais bien. Aouli. Quoi? Pourquoi t'as fait ça? Comment as-tu su que je m'appelle Aouli? Ton grand-père venait de t'appeler Aouli. Eh bien, je n'aime pas ce nom. Il m'appelle toujours Aouli. Pourquoi? Aouli est un très joli nom, je trouve. Ça veut dire le succès ou la bonne chance. Parce que ce que je vis actuellement, c'est tout le contraire de mon nom. C'est la malchance. Pourquoi? Parce que venir dans ce village n'était pas une bonne idée. Aouli, Aouli, voyons. Tu es un grand-père très adorable et attentionné. Et aussi vraiment beaucoup trop strict. Strict, oui. Mais si c'est sa façon à lui de montrer son amour et son attention. En fait, peu importe. Eh bien, Dieu merci, t'es déjà ici. Je ne sais pas comment ça aurait été si tu n'étais pas venu à Menzi. Serena, hein? Tu crois que grand-père ne nous aime pas? Pour autant que je sache, il boude encore. Boudé? Mm-hmm. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être à cause de l'échec de papa. Les mauvais comportements de notre père ne devraient pas être posés sur nous. Tout à fait vrai. Mais je crois qu'il est brisé. Ou naturellement sévère et méchant. Flora. Non. Strict? Oui. Dur avec les mots? Oui. Mais méchant? Je ne pense pas. Rien qu'en le regardant, on peut dire que c'est un homme bon. Il a juste l'air... accablé. Eh bien... Je vais juste devoir l'accepter. À cause de son âge, tu sais que les personnes âgées sont souvent comme ça. Eh bien, le temps nous le dira. C'est vrai. Ah, désolée. Ah. Et Willy, comment tu te sens maintenant? Je vais mieux maintenant, grand-père. C'est très bien. Papy, dis, t'as une autre affaire que tu fais? Eh bien, non. Je vends de la viande et je cultive sur mes terres.
Après avoir pris ma retraite comme directeur de l'école secondaire de Décané, j'ai pensé à mener certaines affaires. Alors, je vends de la viande et je cultive sur mes terres. Ah. Ne paye-t-il pas de pension ou de gratification? Oh, c'était une école privée, pas une école gouvernementale. Oh. Donc, à cette époque, il n'y avait pas de pension ou de gratification. Quand tu vas en retraite, c'est la retraite. Tu dois te battre pour toi-même. Waouh. Papy, qu'en est-il de ta femme, notre grand-mère? Ouais. Oh, les filles, vous ferez mieux de vous apprêter. Ensemble, nous irons au marché. Demain. Papy, mais Flora vient de te poser une question. Pourquoi essaies-tu de la contourner? Papy? As-tu dit un truc qui n'allait pas? En y réfléchissant, papa et maman n'ont jamais parlé de mamie, à part celle qui est du côté de notre mère. Ne le trouves-tu pas étrange? C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Viens. Sois prudente. Quoi, ça? C'est pas dangereux, allez. T'es sûre? Ça ne fait rien. Et ouais. Alors maintenant c'est ça, oui. Ah. Papy, ton chant s'arrête là. Oh, mon chant, il va bien au-delà de ça. Je vais, mais tu vois, j'ai échoué. Je ne le cultive plus c'est assez. Je fais regarde là. Des petites regarde. Plantations autour de ma maison, en fait. C'est une vue magnifique. Je vais prendre une photo. Je viens tout juste de prendre une très belle photo. Les autres membres de ma famille sont là-bas, mais je ne les rends pas visite. Je suis tout seul. Papy, allez, dis oui, c'est-tu. Salut. Allez, oui, c'est-tu. Je vais prendre une autre photo. Allez, Falcon. Non, ne. Oh. Ah, Diego. Flora, pourquoi ne défiles-tu pas pour papy? Ah bon? Papy, regarde. Et où est-elle? Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Ah, waka, non, foulez-moi. Ah, Diego. On fait comme ça. Comme ça. Et comme ça. Bonjour, monsieur. Ah, salut. Alors, voici ce qu'on appelle bon garçon. Oh. Il n'est pas comme tous les autres, là. Doucement, faites attention. Ah, Diego. Moi, mon môme. Allez, on y va. Papy, allons-y. Ah. Oh, voilà. Ok. Vraiment? Papy, attends, j'arrête ta main. Anayo. Je t'ai fait confiance. Je t'ai aimé et je t'ai chéri. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Hein? C'est parce qu'elle vient de l'étranger? Pourquoi tu changes soudainement? Écoute, mon amour, s'il te plaît, calme-toi. Faut pas faire de scène ici. Ne fais pas de scène ici. D'accord. Moi, ton amour. Anayo, est-ce que tu me traites comme ton amour?
Tu l'as amené au bar pour lui acheter de la boisson et de la cigarette. Combien de fois m'as-tu amené dans ce bar pour m'acheter de l'eau simple ou même un biscuit? Oh, ok. Je suis désolé. D'accord, je suis désolé. Garde tes excuses. Anayo, garde tes excuses. Je n'ai rien à te dire. Mais je veux que tu te souviennes d'hier. Anayo, rappelle-toi comment nous avons commencé. Okwa Munake. Toi et moi. Regarde-moi bien. Hey! C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Tu veux que je devienne classe comme une fille de l'étranger. J'espère que tu m'aimes comme ça. Dis-moi, c'est quoi tout ça? Je ne t'aime pas du tout comme ça. Tu sais pourquoi? Ça ne te convient pas du tout. Papi, pouvons-nous avoir un peu d'argent pour acheter quelque chose? Quelque chose? Quelque chose comme quoi? Papi, c'est une chose privée. Qu'est-ce qui est tellement si privé que je ne dois pas connaître? Papi, ce sont des trucs de femmes. Ça s'appelle des serviettes hygiéniques. Oh! Ouais, ok. Eh bien... Ah, oui. Merci, papy. Merci, papy. Allons-y, viens. Merci, papy. Eh bien, je continue mon travail. Ouais. C'est où? Si, c'est toi. C'est bien. Alors, comment est-ce qu'on compte pour moi? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ton tour. Ok. Tu feras Allez, mieux je sors. Non, tu ne sors pas. Tu n'as pas joué ici. Jeune. Non, je ne suis pas. Maintenant, tu frimes. 1, 2, 3, 4. Tu viens du Canada et tu me bats au ludo. Je vais te montrer ce que c'est. Et voilà. Voilà. Juste. Ça. Maintenant, regarde ça. Je dois sortir. Oh. Très bien. Je suis ici. Papy, pouvons-nous avoir de nouveaux vêtements? De nouveaux vêtements? Qu'est-il arrivé aux anciens? Comme tu viens de le dire, ils sont tous vieux. Nous ne pouvons plus les porter. Oui.
Eh bien, mes précieuses petites filles, vous aurez de nouveaux vêtements. Je n'ai pas d'argent actuellement, mais je vais travailler là-dessus. Et mes précieuses petites filles ne peuvent pas se balader nues dans le village d'Amé. Mais je vais vous acheter de nouveaux vêtements. Pas ces mouchoirs que vous portiez avant, là, partout. Hein? J'achèterai de nouveaux vêtements qui vous couvriront de partout. Pas ce qui nous montre ces parties que nous ne voulons pas voir. Merci, papy. Ok, merci. Merci, papy. Et en passant, j'espère que vous avez arrêté de fumer. Oui. Vous ne fumez plus du tout? Non, nous ne fumons plus. Plus du tout, papy. Ça, c'est très bien. Ok. C'est mon tour. Ok. Ok. Papy, tu vas bien? Papy. Papy, as-tu besoin de... Non, non, continue de jouer. Je vais aller à l'intérieur. Papy. Ah, non, c'est rien. Non, non, non. Continuez de jouer à votre jeu. Thank you.
Serena, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette humeur? Ne penses-tu pas que papy fait beaucoup pour nous? C'est notre grand-père et nous sommes à sa charge. Mais encore, Flora, toi et moi sommes diplômés. Nous sommes censés travailler, prendre soin de lui, non le contraire. Eh bien, il ne se plaint pas. Il ne doit pas se plaindre. Ah, désolée. Je ressens sa douleur. Parfois, j'ai l'impression que nous sommes un fardeau pour lui. Et pour couronner le tout, il a dû vendre tous ses objets de valeur pour nous acheter ses vêtements. Flora, papy est vraiment un homme bon. Il est vraiment bon. C'est vrai. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'aime encore plus. Ne commence pas. Eh bien, ces vêtements sont tellement jolis. J'ai hâte de les porter. J'aime vraiment, celle-ci. La couleur est géniale. Trop jolie. Elle va ressortir mes formes. Le crois-tu pas? Ouais. Nana, à quoi est-ce que tu penses? Ah, t'es là? Bien sûr que je suis là. À quoi est-ce que tu penses? Anayo. Quelqu'un de très spécial. Hein? Fait que mon cœur batte la chamade. Vraiment? Ouais. Ah, c'est la première fois que je t'entends parler aussi profondément d'une femme. Depuis notre tendre enfance. Ok. Qui est-elle? Je ne te le dirai pas. Ne sois pas trop pressé. Je te le dirai. Oh. Hey. Qu'est-ce que cette fille a de spécial au point où tu ne veux rien me dire? Je te le dirai. Hmm? Mais attends le moment venu. Quel moment pourrait être mieux que maintenant? Ça pourrait être l'année prochaine. Ça pourrait être la semaine prochaine. Ça pourrait même être le mois prochain. Hein? Ok, la chose est que... Je suis au moins content que tu sois tombé amoureux. Hmm? Bien sûr. Mais je voudrais savoir. Ok. Est-ce que tu la connais tant que ça? Eh bien, je crois que j'ai tout le temps du monde pour découvrir cela. Ok. Si tu le dis... Oui. Ça me revient à l'esprit. Comment va ta petite amie, Odoji? Celle-là? S'il te plaît. Oublie son cœur. Je sais même pas si nous avançons dans notre relation. Anayo, pourquoi? Parce que j'ai vu quelqu'un de très spécial. Anayo. Quelqu'un de spécial encore? Anayo, tu n'arrêtes pas de quitter une personne spéciale pour une autre. Rappelle-toi qu'aucune femme n'est parfaite. Si elle est si spéciale, si on fait d'elle ta femme, tu la mets à la maison. Cela veut dire que tu devras attendre. Jusqu'à ce que tu vois cet intérêt que je porte pour cet amour. Alors, ouais. Dis-moi, qui est-elle? Dis-moi, je veux savoir. Je te le dirai le moment venu. Le moment venu, hein? L'histoire du Nigeria est vraiment très très longue et compliquée, mais intéressante. Le Nigeria était une colonie de la Grande-Bretagne. Le Nigeria a obtenu son indépendance par la Grande-Bretagne en 1960, le 1er octobre pour être précis. Plusieurs Nigérians vivaient dans les parties du pays très loin de leur village natal ou
de leur état d'origine. Et plusieurs Ibos vivaient à l'étranger. Alors, 6 ans après l'indépendance, beaucoup de musulmans modernes ont commencé à massacrer les Ibos et tous les habitants du sud qui vivaient dans leur région. Ce qui a poussé des dizaines de milliers de ces personnes à fuir le Nigeria, de s'échapper du nord du Nigeria, de leur zone d'habitation, de la région orientale de l'époque, dans la partie sud-est du pays. Ah. Les Ibos et leurs homologues du sud-est ont estimé que le régime militaire qui était en place là-bas était incapable de protéger leurs intérêts, protéger leurs terres, ou les laisser progresser et même les voir survivre. Alors, en 1967, le 30 mai, il y avait un lieutenant-colonel à l'époque Odumegwujuku, avec d'autres représentants de la partie sud-est du pays, ont déclaré une... Vous êtes encore éveillés? Oui, c'est bien. Allez, dormez, mes petites filles. L'histoire du Nigeria est très longue et compliquée. Mais nous sommes encore ici. Flora, j'ai constaté un truc. Je crois que grand-père est en train de mourir. Surveille tes mots, Serena. C'est sérieux. Vraiment? Je suis restée près de sa porte, en train de le regarder tousser et serrer sa poitrine. Il toussait du sang. Oh mon Dieu. Tout ça est vraiment sérieux. Je suspecte quelque chose. Et qu'est-ce que ça peut être? Je crois qu'il a le cancer du poumon. Tu crois qu'on doit lui demander? Serena, je ne sais pas. Et ne va-t-il pas éviter la question comme il l'a fait avec l'autre? Mais tu sais, nous n'avons pas le choix. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons lui demander. On doit le faire, oui. Ceci ne peut pas arriver. Non, non. Pas papy. Salut, Cassie Moby. Salut. Comment as-tu fait pour connaître mon nom de famille? On dit que les mots se laissent conduire par le vent. Tu voulais dire les ragots volent autour. Non, non, je ne suis pas un commère.
dit le gars qui va partout à demander mon nom de famille. Eh bien, c'est ce que nous faisons pour l'amour. Au fait, dis-moi, comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. Ok, j'ai apporté un truc pour toi. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Jette juste un coup d'œil. Ok, une minute. Oh, merci. Je t'en prie. Des Springles? Comment t'as su que j'aimais les Springles? Je savais que t'allais aimer. Merci. Il n'y a pas de quoi. C'est tellement chou. Oh mon Dieu. Merci beaucoup. Je t'en prie. Je ferai tout pour toi. Oh là là. T'es si chou. Qu'est-ce que c'est? Un vêtement pour toi. Vraiment? Ouais. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Voyons voir. C'est une combinaison. Ouais, est-ce que tu aimes? Je l'adore, merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je suis désolée, je ne peux pas prendre ça. Je ne fume plus du tout. Si mon grand-père voit ça, il va me tuer. Vraiment? Oui, reprends ça. Ok. Mais merci. J'adore ça. Y a pas de quoi. Merci beaucoup. Je ferai tout pour toi. Merci. Laisse-moi t'aider à faire ta lessive. Oh non, je ne peux pas te demander de faire non. ça. J'insiste. Non, t'en fais pas. Écoute, je vais le faire. Le lavage, c'est ma profession. Non, qui dit ça? Je lave pour survivre. Laisse-moi t'aider. T'es sûr? Oui, je le suis. Vraiment? Oui. Ok. Tu me fais de la place? Ok. Mm-hmm. Ok, je vais prendre ta place. Ça me va. Ok. Merci, t'es tellement chou. Y a pas de quoi. Ouais. Alors, comment est-ce que tu vas? Bien, je profite de mon séjour. Ah, mais si. Amenze. T'es vraiment pas mal, t'es très belle. Merci. Pour wow. toujours. J'arrive pas à croire que tu fais ça. Ah. La vie, c'est ma passion. Oh, ma sœur est de retour. C'est drôle, je veux dire. Comment tes frères peuvent tomber amoureux de sœurs? Attends, quoi? Vous êtes frères? Ouais. Nana ici, mon jeune frère. Anayo, voici la plus belle fille de tout le monde entier. Non. Ouh. Tu te trompes. Regarde, Cassie et Moby s'y présentent. Est exceptionnelle. Exceptionnellement très belle. Oh, vraiment? Serena. Eh bien, c'est vraiment drôle. Aweli est la prunelle de mes yeux. Sans elle, je suis aveugle. Attends, écoute. Aveugle? Eh bien, parlons de prunelle. Oui, je suis sûr. Non, t'as jamais fait de prunelle. Est-ce que je t'ai déjà montré une prunelle auparavant? Laisse-moi maintenant te montrer. Oh non! À quoi ressemble une prunelle? Arrêtez! Allez, viens. Voici exactement à quoi ressemble une prunelle. Sérieux? Elle est la parfaite définition de la beauté. Bien, Anayo, laisse-moi te montrer. Ah non! Non! Fais pas ça! Non! Non, ne le fais plus, non! Arrête! Flora, reviens! C'est bon, j'espère que vous aimez. Ça, c'est l'igname grillé. C'est le plat typique du village d'Amézi. Ouais. Papy, à quoi ressemblaient tes belles années?
Regardez en arrière, étaient les meilleures des années, les meilleurs moments. Peu de technologie, aucune course à l'argent, pas d'indignation pour l'acquisition des richesses ou des biens matériels. Les gens aimaient les gens, sincèrement. Oh. Nous étions simples à notre façon. Et nous avons vécu comme ça. Et c'est difficile d'imaginer comment nous avons survécu jusqu'à ce temps. Parce que on grimpait à des arbres. Nous faisions du vélo pour aller à l'école. Sous un soleil, je vous le dis, brûlant et ardent. La chaleur du soleil dans le froid glacial. Oh. Et sous les torrents de pluie de la saison pluvieuse. Mais nous étions habitués. On s'aimait librement. Les gens aimaient les gens librement. Parce que nous voyons de nos jours. Où il n'y a pratiquement pas d'amour sincère. Si aujourd'hui quelqu'un s'approche de toi et il te dit qu'il t'aime, ne le crois pas. Il a juste simplement hâte d'entrer dans vos jambes. C'est vrai? Donc il n'y a plus que un faux amour et de la convoitise de nos jours. Oui. En parlant d'amour, papy, tu es en train de dire qu'il n'y a plus d'amour sincère? Eh bien, de nos jours, il y a très peu d'amour sincère et très peu de personnes le pratiquent. Il y en a peu parmi beaucoup d'autres. Les gens n'aiment plus sincèrement. Ils sont là pour ce qu'ils peuvent avoir d'une relation. Alors, papy, à quel point ton amour pour mamie était-il sincère? Sans commentaire. Dis-nous, papy, s'il te plaît. Oui. En fait, je suis fatigué. Papy, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Je n'ai plus d'appétit, sinon j'allais manger avec vous. Papy. Flora, quelque chose ne va vraiment pas quelque part. Et je compte le découvrir. Papy? Papy? Papy. Bonjour, papy. T'es resté à l'intérieur depuis. Papy? 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 Papy! Papy! Non, papy! Non, papy! Non. Papy! 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 Non! Papy! Papy! Non! Non! Oh! Papy. Non! Qu'est-ce qu'on fait? Non, pas ça! Papy! Papy, papy, reviens-toi! Reviens-toi! Papy! Vas-y! Papy! Va chercher! Non! Allons chercher le secours! Va chercher de l'aide! Va chercher de l'aide! Non! Désolée. Docteur, j'espère qu'il ira bien. Il ira bien. Ça va aller. Quand est-ce que ça a commencé? Nous ne pouvons vraiment pas le dire. Il a toujours les douleurs à la poitrine. Et parfois, tout son corps est épuisé et faible. Ses tous sont toujours sèches. Désolée, papy. Et la toux ne s'arrête pas. Au contraire, elle s'empire.
Désolée, papy. Alors, docteur, qu'est-ce qui ne va vraiment pas avec papy? Je pense à quelque chose. Quelque chose comme quoi? Eh bien, je crois que ton grand-père est dans sa dernière phase du cancer du poumon. Quoi? S'il vous plaît, ne dites pas ça. Je ne vous crois pas. En fait, grand-père ne peut pas avoir de cancer. Ne dites pas ça. Je vous en supplie, avec tout ce qu'il y a de plus cher, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Calme-toi. Ne me demandez pas de me calmer. Grand-père va mourir. Flora, ne dis pas ça. Papy vivra. Il va rester avec nous. Il savait qu'il avait cette maladie. C'était quoi l'importance de le cacher? Je t'en prie, mon Dieu, je t'en prie. Seigneur, protège-le pour nous, s'il te plaît. L'homme qui nous a changés, il a tout sacrifié pour nous, non. Oh, il ne peut pas mourir, Serena, il ne peut pas mourir. C'est un peu... Papy, non. Papy, on te promet de t'amener à l'hôpital. Papy, on te promet, tu iras bien. Ne m'amenez pas à la clinique. Je vais très bien. Je n'ai aucun problème. Celui qui vous a dit que j'ai un cancer est un menteur. Je suis là pour rester avec vous, les filles. Nous le savons. Nous le savons, papy. Mais nous devons partir. Comme ça, on pourra le découvrir par eux. Ok? Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Désolé, papy. Désolé. Non. Désolée. Thank you.
Docteur, y a-t-il espoir? Oui, espoir. Premier traitement. Ok. Vraiment? C'est une chirurgie, considérant que c'est à ce stade. Mais ça ne se fera pas dans ce village. Je vais vous envoyer vers un hôpital plus grand et plus équipé en ville. Mais ça vous coûtera beaucoup d'argent. Comme combien? Oui. Nous parlons de 3 à 5 millions de naira. Excusez-moi. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Je ne veux pas rester ici. Ramenez-moi dans ma maison. Papi, nous ne pouvons pas te ramener à la maison. Si nous le faisons, tu ne pourras pas recevoir un meilleur traitement. Je n'ai besoin d'aucun traitement. Je ne crois pas que j'ai besoin d'un quelconque traitement. S'il vous plaît, ramenez-moi à la maison. Casier mobile, pourquoi tu pleures? Suis-je mort? Est-ce les funérailles? Et voyons. Essuie. C'est une larme. Essuie ta bouche. Ne veux-tu pas venir avec moi au marché pour vendre la viande? Je vous en supplie. Papi, ramenez-moi à la maison. Ramenez-moi. Cela se fera après que tu sois bien et en bonne santé. Ok. Je vais bien. Ramenez-moi à la maison. Je ne veux pas rester ici. Non, non. Je ne veux pas que mon grand-père meure. Cet homme a supporté nos douleurs. Nous ne pouvons pas le laisser supporter cette douleur seule. Nana, s'il te plaît, Nana, j'en supplie, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a un moyen que tu pourrais nous aider? Flora, je te promets que je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour m'assurer. M'assurer que rien n'arrive pas à Doulou. D'accord, tu peux me faire confiance. Je le ferai. Merci. Non, merci. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Rien ne lui arrivera, je te promets. Anayo, s'il te plaît, aide-nous. Papi est en train de mourir. Et nous n'avons personne pour nous aider. Nous ne pouvons pas le laisser mourir. Papi ne peut pas mourir, pas maintenant au moins. Toi et moi savons que cet homme a fait tout ce qu'il pouvait pour mettre un peu de décence en nous. Il nous a donné une bonne éducation. Et cela nous a changé, tu le sais. Alors nous ne pouvons pas le laisser mourir, s'il te plaît. Nous avons besoin d'argent. Nous voulons l'amener à l'hôpital de la ville pour un meilleur traitement. Tu sais qu'il ne peut pas avoir le traitement qu'il mérite dans ce village. Tu le sais. S'il te plaît, ne laisse pas mourir. Ça va aller. T'as pas à te remettre à genoux. S'il te plaît, aide-nous, Anayo. Lève-toi. Écoute. S'il te plaît, aide-nous. Je te le jure, je ferai quelque chose. Je ne sais vraiment quoi faire. Je crois que je devrais vendre cette demi-parcelle de terrain et donner l'argent à Serena. Anayo. Anayo, si tu le peux, ça sera très bien. Moi, en fait, j'envisage de vendre ma moto pour donner une partie de l'opération.
Vraiment? Oui. Pandulu est une très bonne personne. Il mérite de vivre. Ouais, exactement. Et c'est maintenant que ces petites filles ont le plus besoin de nous. Et nous devons les aider. Nous le devons vraiment. Ouais, nous le devons vraiment. Idée. Oui, monsieur. J'ai fait l'appel à toi parce que je dois vendre cette moto. J'ai un problème d'argent que je dois absolument régler. Monsieur, okay. Pourquoi voulez-vous vendre cette moto? Je vous fais pourtant de bons comptes. Alors, Friday, tu n'es pas le problème. Bien que j'ai déjà parlé à certaines personnes à propos de cette moto, tu es la personne qui est la plus proche de moi. Donc j'ai également envie de te passer l'information. Il n'y a pas de problème, monsieur. Je verrai ce que je peux faire. Peut-être si ce soir, je reviendrai vers vous. Ok, très bien. Hey, mec. Ah, Odogo. Bonjour, comment tu vas? Oui. C'est la moto en question. Tout fonctionne. La moto en quoi en état, donc... Démarre-le pour lui. Démarre-le. Tu vois? C'est une moto très neuve encore. J'aime le bruit que ça fait. C'est une moto neuve. Ouais, elle n'a pas encore 6 mois. Personne n'a encore utilisé, comme tu peux le constater. Elle est encore toute neuve. Ouais, d'accord, viens. On peut causer. Friday, je reviens. Pourquoi cet homme veut vendre cette moto? Pourtant, je l'utilise.
fais pas. T'en fais pas. Tu iras bien. Ok. Tu iras bien. Désolée, désolée. Papi. Papi, t'en fais pas. Merci. Tu iras bien. Tu iras mieux. Ok. Nous allons t'amener dans un meilleur hôpital à Lagos, ok? Pour un bon traitement, ok? Bien que l'agent que nous avons ne suffit pas, mais... C'est presque... C'est presque, papy. Et Serena fait ses valises pour le voyage. Désolée, papy. Papy, désolée. Non, non. Désolée. Tu veux manger? Merci. J'ai trouvé ça. Fais-moi voir. Non, je... Papy. Je ne vois rien. Qu'est-ce qui est écrit? Je... Papy. Papy, tu es notre héros. Merci. T'as réussi à nous faire changer pour le mieux. Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci, papy. Tu n'avais pas beaucoup, mais tu t'es assuré qu'on mange. Tu t'es assuré qu'on ait le sourire. T'as vendu tes objets de valeur pour qu'on ait des vêtements. Que pouvons-nous te vendre de plus, papy? Oui. Je suis content. Voilà ce que j'avais toujours souhaité. Et je suis content que ça se soit réalisé. Vous, les filles, vous m'avez rendu fier. Vous avez changé pour le meilleur. Je suis content que ça se soit réalisé. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Ça s'est réalisé. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Papy, qu'en est-il de ta bien-aimée femme? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Elle m'a quitté.
parce que je ne voulais pas arrêter de boire et de fumer. Je fumais et fumais encore et encore. J'imagine que c'est la raison. J'imagine que c'est la raison pour laquelle ce cancer du poumon et hérisson et moi elle était mon pilier, ma confidente. Elle a pris soin de moi. S'il vous plaît, envoyez-lui un message de ma part. Mais j'aimerais encore la voir. J'aimerais la revoir avant le jour de ma mort. Non, papy, non. Tu fais ça. Non, papy. Tu ne vas pas mourir. Non, papy, non. Papy, tu vivras. Non. Papy, tu restes avec nous. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester avec nous. Tu resteras avec nous pour récolter le fruit de ton travail. Papy, nous allons nous marier. Nous allons nous marier, nous allons te donner les arrières que tu vises. Tu vas les adorer, papy. Tu vas les aimer aussi fort que tu nous aimes, nous, grand-père. Reste avec nous, s'il te plaît. Attends. Prions Dieu, s'il te plaît. Dieu, s'il te plaît, garde notre grand-père. S'il te plaît, Seigneur, nous t'en supplions. Il est où ? Papy ? Nana ? Papy, nous allons t'emmener à l'hôpital maintenant. Papy ? Pandoulou ? Pandoulou ? Papy ! Pandoulou ! Non. Papy, Pandoulou ! Attends. Papy ? Papy ? Pandoulou, Nicolas Juanito est mort en août. C'était un dimanche, dans l'après-midi. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel. La vie n'est pas mesurée par le souffle que nous prenons.
mais par le moment qui prend notre souffle. Celui qui a dit ça avait raison. Même à présent, je ne peux pas prétendre comprendre les mesures de la vie. Certaines personnes te diront que c'est ainsi que l'histoire se souviendra de toi. Qu'en est-il de ceux qu'on a laissés derrière? D'autres disent que par amour, tout ce que les gens disent, la vie n'a pas du tout de sens. Nous ne sommes que poussière. Dans le vent. Voir avant de mourir. Il est mort un homme changé. Jamais.